Dans 2 mois, Fabienne Cara donnera naissance à un adorable bébé. En effet, à 42 ans, la comédienne de section de recherche, TF1, est enceinte de son tout premier enfant. Si est-il en maman célibataire qu'elle se présente? Et si l'identité du père reste un mystère, la jolie brune en dit un peu plus auprès de nos confrères du magazine Public, ce vendredi 1er octobre 2021. Pas question pour Fabienne Cara de donner le nom du papa de son enfant. Toutefois, elle donne quelques indices. C'était une très belle histoire d'amitié qui s'est transformée en très belle histoire. Mais pour le moment, je suis maman célibataire. Chacun aura sa place en tant que part, lance-t-elle. Le père du bébé est en réalité un homme avec qui elle avait initialement de forts liens d'amitié. Aujourd'hui, si est-y fini. Et l'ancienne star de Plus belle la vie, France 3, assure n'avoir aucune rancœur. Je ne suis pas comme ça, je suis de nature optimiste, donc tout va bien. J'ai toujours eu une vie un peu rock'n'roll, assez décalée. Normalement, on rencontre l'amour, on se marie, on a un enfant. Moi, je ferai peut-être tout dans le désordre. Mais l'essentiel est d'y arriver, confie-t-elle. Et je ne sais pas si les schémas plus simples me conviendraient. En quittant mon sud-ouest natal pour faire ce métier, j'ai signé pour une vie non standard. Et cette vie, je lui fais confiance. Même en traversant des choses difficiles, je sais que j'arriverai à positiver et à voir les épreuves comme des cadeaux qui servent à grandir. Future maman célibataire, mais pas seule dans l'éducation de son bébé. Après avoir annoncé sa grossesse à la personne concernée, elle a révélé la belle nouvelle à sa sœur Carole qui, elle, aide beaucoup et avec qui elle a acheté un superbe appartement parisien déniché par Stéphane Plaza. Le fait de vivre avec sa fille de 2 ans rend les choses concrètes. Si est-il un bon entraînement, déclare-t-elle. Nul doute que la douce Fabienne Cara fera une merveilleuse maman. L'interview de Fabienne Cara est à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosque.